Bullseye. Salut tout le monde, c'est ProtyPixit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur un lobby sur Modern Warfare 2. Alors c'est pas un lobby que je vous propose, mais c'est un patch que j'ai essayé qui s'appelle le Suramodge patch version 1.1. Donc pour faire fonctionner ce patch, il vous faut une infection. Je tiens à remercier au passage FaceDrick qui m'a permis de faire l'infection. Donc pour activer l'infection, vous allez en écran scindé, vous chargez un profil, n'importe lequel, ou vous en créez un, peu importe. Une fois le profil chargé, vous faites continuer, vous faites configurer la partie sur l'objet PlayStation Network qu'il faut mettre sur oui et vous commencez le match. Donc ce qui concerne l'infection, moi je peux pas vous la faire parce que je n'ai pas de PS3 jailbreaké. Par contre la personne qui s'appelle FaceDrick, elle peut vous le faire. Je vous propose d'aller voir son shop sur Reality Gaming, mais pour ça il faut être inscrit sur la Reality Gaming. Ça vous prend quelques clics à vous inscrire et vous pourrez accéder à son shop. Et il pourra vous faire plein de trucs sur Modern Warfare 2, comme vous débloquer tout, faire level 70, le prestige que vous voulez, etc, etc. Donc je vous invite à aller voir son shop pour vous puissiez être infecté et profiter de ce patch. Alors ce patch qui est le Suramodge n'est pas de moi, je sais pas si vous vous en doutez, mais il n'est pas de moi. Donc il est d'une personne qui s'appelle effectivement Suramodge. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, ainsi que le lien de téléchargement et les vidéos de ses patchs. Donc là en l'occurrence j'utilisais le patch version 1.1, j'ai utilisé le dernier pour le CFG. Je n'ai pas utilisé le patch V5 puisque je n'ai pas réussi à faire fonctionner, ce qui a expliqué un peu mes débuts difficiles à faire la vidéo. Et donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc juste pour l'utilisation du menu, donc vous avez compris, select pour l'activer, flèche du haut pour l'afficher, et quand vous faites flèche gauche vous fermez le menu. Donc une fois que le menu fonctionne, hein, vous n'avez plus qu'à quitter la partie. Et puis, donc vous aurez ce message, mais vous ne faites rien, vous n'appuyez sur rien. Normalement, ça quitte tout seul. Et donc après, vous allez en match privé. Donc vous quittez tout ça. Normalement, vous avez votre pseudo en vert qui indique effectivement vous êtes bien infecté et vous utilisez le patch. Donc là, vous n'avez plus qu'à commencer la partie. Et puis là, sur ce, moi, je n'ai plus rien à vous dire. Et comme la plupart des gens le font sur les vidéos de lobby, quand ils montrent les lobbies, en général, ils vous mettent une petite musique et puis ils vous laissent découvrir un peu ce qu'on peut faire. Alors vous allez voir que moi, je vais y aller à tâtons parce que je ne le connais pas trop. Il y a des gens qui vont me rejoindre. Je vais couper un peu la vidéo parce que ça va mettre du temps. Donc voilà, tout est dit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.